L'idée de cette application est partie d'un constat sur les nombreux dégâts causés par les déchets sur l'environnement. Jacob Kouassi s'est alors basé sur son expertise pour apporter sa contribution à la lancinante gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Nous avons participé à un séminaire organisé par la Fondation Magis Sichem et l'IFDD en mai 2018. À la sortie de ce séminaire-là, en tant qu'ingénieur informaticien, j'ai voulu apporter les NTIC à la solution des changements climatiques. L'application offre une panoplie d'options qui incitent les utilisateurs à une protection participative de leur environnement, guide du tri, collecter, formation et devenir éco-citoyen, autant d'options qui permettent aussi de mettre un point d'honneur sur la formation et la sensibilisation des populations via un questionnaire. On a l'option collecter, qui est une option, qui est l'option majeure de cette application. Parce que dans collecter, on a la mise en relation des producteurs de déchets et puis de ceux qui utilisent ces déchets-là comme matière première pour travailler. Quand vous avez des ordures et vous faites une demande de collecte, tout de suite, on peut traiter, donc on peut envoyer des gens pour venir enlever vos déchets. En 2013, Jacob crée une association dénommée Ivoire Bien-être pour valoriser et rendre les activités pérennes. Il intègre des jeunes qui y gagnent un tant soit peu leur vie. Nous avons une vingtaine de bénévoles qui, chaque jour, donc du lundi au vendredi, nous accompagnent dans la collecte des déchets plastiques sur les espaces publics. Donc en bordure de mer, en bordure de lagunes, et dans les caniveaux, dans les rues de la commune de Port-Boué. Commune de Port-Boué avec laquelle nous sommes en partenariat. Avec la mairie de Port-Boué, cité balnéaire située dans le sud d'Abidjan, l'association Ivoire Bien-être a un partenariat visant à enlever les déchets plastiques sur 45 km de littoral. Kouassi Rémi Emmanuel, son petit frère, fait également partie de l'organisation en tant que stagiaire. Titulaire d'un BTS en logistique. Actuellement, je suis en stage. Je suis rémunéré à 60 000 francs par mois. Ça m'a permis d'avoir un stage et aussi de rendre la plage de la Côte d'Ivoire propre. Jacob Kouassi envisage de relever le niveau de transformation des déchets plastiques en mettant en place une usine. Pour la première phase du projet évalué à 53 000 euros, il s'agira de produire des granulés. Ensuite, la deuxième étape, elle vise la transformation des granulés en fibres textiles, notamment en polyester, pour un portefeuille moyen de 115 millions de francs CFA, soit 175 000 euros.